moment, ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer notre périple matinal. Revue des réseaux sociaux cette fois-ci. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, ce 2 mai 2023, on va du côté de Yaoundé, voilà, pour parler du ministre de la Santé en colère suite à un cas. De réparer, voilà, ah, non, l'autre côté, voilà. Okay. Voilà, le voilà, ministre. C'est le direct, donc on va supporter comme ça. Voilà, maintenant c'est OK, on peut y aller. Alors, je disais, le ministre de la Santé en colère suite à un cas flagrant de déshumanisation à l'hôpital général de Yaoundé. C'était lors d'une visite inopinée. Docteur Manaouda Malachi est tombé par surprise sur un malade agonisant, abandonné à lui-même dans une ambulance à l'hôpital général de Yaoundé. Donc, c'est une ambulance, ça? Oui, c'est une ambulance. Sous le regard impuissant du personnel soignant de cet hôpital, alors que la situation de santé du malade exigeait une prise en charge immédiate, le personnel présent a tenté de donner des explications au ministre de la Santé qui semble ne pas être d'accord avec les explications qui lui ont été données. On rappelle que c'était hier 1er mai 2023 lors d'une visite inopinée dans cet hôpital. C'est l'ambulance qu'on a vue là. Bon, mais nous, alors c'est moi qui ai du mal à pouvoir. On va l'écouter, il y a un son? Oui, je pense. C'est pas une bonne idée. Vous avez en fait la société qu'on vous a déjà appelé et vous savez tout là. Donc on vient d'avoir une bonne place. C'est pas une bonne idée. Vous avez en fait la société qu'on vous a déjà appelé. C'est pas une bonne idée. Vous avez en fait la. On aurait vraiment voulu écouter cet échange. Hein. Moi particulièrement, j'aurais vraiment eu envie d'écouter les propos du ministre. D'abord, on peut revenir sur la vidéo d'Alassana? Parce que vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Oui, l'ambulance. C'est le cas là. C'est vrai, c'est l'ambulance, c'est un cas. Dans tous les cas, le patient. Au tout début, où on avait le patient qui était dans ce. Vraiment, cette ambulance, peut-être qu'on va utiliser, parce que c'est le mot employé par Pamela Fomen, obligé de suivre ce qu'elle a dit, mais là j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit une ambulance. Et là on voit le ministre qui est quand même. Qui semble être en colère. Voilà. D'accord. Bon, Mingan, la santé aujourd'hui au Cameroun, tu n'es plus. Les patients, quand ils arrivent dans des formations hospitalières, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Parce que quand on regarde, moi on est en train de tripoter. Ce malade dans ce qu'on appelle ambulance, moi quand je vois ça, c'est un cas qui n'a plus de chaise, qui n'a pas rien de chaise. Il y a la voiture, le siège du chauffeur avant, c'est le copilote et une chaise à côté, il n'y a plus de chaise derrière. Et on parle d'ambulance. L'ambulance. Non, bon, je ne sais pas si le ministre se plaignait de l'état de l'ambulance. Non. Se plaignait du cas de la légèreté avec laquelle. Exactement. La légèreté avec laquelle ses collaborateurs prennent un patient en charge. Non, les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Nous savons ça. C'est-à-dire, si vous êtes interné dans un hôpital, vous en sortez vivant, il faut louer vos ancêtres et Dieu. C'est tout. Donc, quand on y va, moi j'ai des aînés. Ils m'ont dit que s'ils tombent malades un jour, au cas où la situation est compliquée, je les amène au village directement. Je ne les amène pas à l'hôpital, ça me fera des dépenses inutiles. Et ils n'ont pas tort. On a eu des cas comme ça. La situation est vraiment que ici, le ministre a eu la présence d'esprit. Il a dit que bon, faire du travail, comme je ne suis pas directement impliqué, je dois faire les tours. Et c'est ce qu'Aïdjo faisait. C'est ce qu'Aïdjo faisait. Je vous disais, quand il y avait. La construction d'un bâtiment quelque part, n'importe quoi, ou même de manière naturelle, ils venaient comme ça acheter les produits dans une pharmacie ou bien dans une boulangerie. Ils venaient quelquefois avec les voitures qu'on appelait Citroën. Et on les appelait bec de canard. Ils ne prennent pas de trucs, ils viennent laver la voiture Citroën avec M. Happy qui était son garde de corps. Il descend là, marché Mokolo, il veut acheter les bananes, il veut acheter, mais il jette un regard sur tout. Et voilà. Il voit quelquefois sa ligne, la pharmacie, il veut acheter. Et qu'il venait même quelquefois dans les banques pour prendre son salaire.
Des fois, ils ne venaient même pas en Gangoura, ils viennent comme ça strictement. Donc, justement, quand les gens ont compris ça, les ministres aussi venaient et tout. C'est ça qui amenait, qui construisait cet imaginaire-là qui disait, hey, donc je peux être là, voilà. Or, dès qu'on a déconstruit ça, on est rentré dans un système d'absurdité. C'est pour ça qu'on parle du système. Tout ça là, vous avez le beau changer le directeur de l'hôpital général de Yaoundé, le système est là. Puisque ce n'est pas lui qui l'a instauré. Si c'est lui qui avait instauré, on aurait parlé du régime de tel directeur. Mais ça, comme c'est un système, je ne sais pas. Je vous ai dit ici à Douala, il est là encore. J'avais un ami qui était le petit frère de James Olobiono, Abraham Badana. Il a eu un accident de circulation à Bonamouan. On le prend, l'avion l'amène à l'hôpital général. Il n'avait pas assez d'argent sur lui. La caution, c'était 250 000. L'agent qui l'appelle dit, l'aîné, il est 4 heures. On craint d'appeler son frère là maintenant. Il dit, prenez-le en charge, c'est le frère de Olobiono. Quand même, essayez. Même le fait d'avoir utilisé le nom de Nobel, on ne l'a pas pris en charge. Et c'est le nom, puisque j'ai vécu la situation avec Kaminele. Et quand il est décédé, Nobel vient dire au directeur de l'hôpital général, mes chers amis, même ce nom-là, pour 250 000, mon frère part. Allez, c'est tellement choquant, on est conscient. Si on le fait donc à l'ONU, et nous les non-nèmes, je verrai quoi. Donc, comme c'est le ministre de la Santé publique lui-même qui a vécu la situation, qui se rappelle seulement qu'il avait fait des tournées inopinées quand il venait d'être nommé, ça a bloqué donc comment? Ou alors il a peur de faire comme Patrice Ambassala, parce que Patrice Ambassala est allé jusqu'au bout, jusqu'au point où on l'a enlevé. Il dit non, c'est moi l'ingénieur de l'État, les travaux que vous faites là à Lompangar ne valent pas la peine, ce que vous êtes en train de faire sur la nationale numéro 3, ce ne vaut pas la peine, c'est moi qui dois lui dire, cher ami, on ne t'a pas nommé pour ça, on va rester à la maison. Bon, vous voyez, il faut peut-être qu'il nous montre qu'il veut bien travailler, qu'il lance un coup de pied à la fourmilière maintenant. Si les fourmis l'attrapent, qu'il rentre à la maison. Mais c'est déshumanisant en réalité. Revenons sur cette violence, Dominique Audrey. Vraiment, est-ce qu'un malade devrait être transporté dans de telles conditions? Parce que oui, c'est vrai, il peut arriver. Vous pouvez être On peut les mettre sur une brouette d'Isabelle Carol. Même si la malade vient sur une brouette, ou bien sur les trucs de fortune, ou même tu l'as mis au dos. Le problème, c'est que quand tu es à l'entrée de l'hôpital, les brancardiers doivent être là pour prendre le relais. Voilà, ça veut dire. On peut même venir deux personnes ont arrêté par le bras, deux par la main. Donc, c'est peu importe. Le problème, c'est qu'on l'amène pour le sauver. Le déploiement, l'élan qu'on devrait pouvoir observer. Absolument. Mais là, on voit qu'elle est avec une seule personne qui l'a tripotée. Ça veut dire que le ministre est arrivé, il a trouvé la dame dans. Je ne sais pas si c'est l'ambulance, dans la voiture là. Et après, c'est lorsqu'on. Vous voyez que celui qui manipule la patiente, il n'a même pas de gants. Il n'a pas de gants, juste un cache-nez. On ne sait pas si c'est. Après, on parlera de stagiaire. Après, on dira que pourquoi. Puisqu'on se rend compte que le ministre est là, les caméras sont ouvertes, on commence à prendre les paramètres de la personne. Pourtant, lorsqu'on vous appelle d'urgence pour venir chercher un cas. Pendant le trajet, on prend les premiers paramètres pour que, arrivé à l'hôpital, on transmette simplement la température est à, la tension est à, et pour qu'on puisse prendre le relais. Une suite, oui. Donc, ça veut dire que. Je ne sais pas. On doit sanctionner les gens. Ils n'ont pas vu le mal venir. Non, mais est-ce qu'on a besoin qu'il soit là pour se mobiliser automatiquement? Oui, parce qu'on est sûr d'une chose. Une fois qu'il a dit ce qu'il a dit, il y a eu au moins 1000 personnes à côté de la dame, je suis sûre. Oui. Il y a eu que tout le monde qui voulait prendre soin, qui voulait savoir son état de santé, qui voulait. Un mal de vautour. Mais je crois que on ne devrait pas faire la mêle, attendre qu'il y ait des visites inopinées. Pour commencer à se grouiller, à dire non, il faut qu'on fasse ci. Ou alors on dit non, faites attention, il y a le ministre qui arrive là. Vous parlez de quel hôpital? Général. Hôpital, le plus grand hôpital de référence. Va
Hôpital de référence. Hôpital. L'hôpital général de Yaoundé, de référence. Hôpital de référence. Ouais, ouais. 40e catégorie. vraiment. Moi, je vais sur les bases. Première catégorie. Qui s'étend sur une superficie de combien? C'est ça. Le rapport. Va-t-on dire que les urgences d'un hôpital de référence sont si chargées, saturées, qu'il manque un endroit? Non, réfléchissons. Je peux être bête. On est dans un hôpital de référence. Revenez sur l'image. Revenez sur l'image, s'il vous plaît. Revenez sur l'image. Merci. Non, non, mettez pause. Pause. Regardez ce monsieur qui manipule cette ce malade. C'est le chauffeur de l'ambulance. Ça, on ne sait pas. C'est le brancardier. Dans quelle tenue est-il? Est-il? Attendez. Regardez l'état même de l'ambulance. Vous c'est voyez pas, que c'est pas l'ambulance la dame a été portée avec le drap c'est de son lit. On n'a pas dit que c'est l'ambulance. Non, c'est une ambulance. L'ambulance, c'est l'ambulance. C'est l'ambulance, non. On ne peut pas savoir. La dame a été portée avec le drap de son lit. C'est quand le ministre parle qu'il défait. Tout à fait. C'est quand le ministre parle qu'il défait les nœuds du drap. Tout à fait. Et c'est la façon avec laquelle on attache les cadavres. Oui, tout à fait. Mais attendez. C'est la façon avec laquelle on attache les cadavres. Donc on attendait quoi? Qu'est-ce que c'est de respirer quand on la transporte directement à la morgue? À la morgue. Qu'est-ce qui a donc été fait? Mais cette ambulance ne devrait même plus fonctionner. Franchement. Il n'y a pas d'oxygène. Il faut rester sur l'image. Il n'y a rien dans cette... Il faut rester sur l'image. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas de rien. Il y a une palette d'eau. C'est juste un taxi. Un taxi pour l'hôpital. Mais dans la rue, là, vous voyez comment ils demandent l'appui. Vous êtes sûr que vraiment il y a une ambulance? Autre chose. Je voudrais qu'un collectif d'avocats se saisisse de cette affaire. Ils ne donnent pas l'argent. Le ministre a découvert que cette dame est là depuis. Ah, c'est clair qu'elle est là. Elle est dans cette ambulance depuis. Et il a posé des questions. Mais c'est grave, hein. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Oui. C'est extrêmement. On n'est pas sorti de l'auberge dans ce pays. Vous voyez, dès que quelqu'un a une situation, on dit, monsieur, on va vous opérer. Il dit, hein? Il dit, on va vous opérer. Le quoi? Le laissez, je ne vais pas mourir. Il y a le calmant, oui, je préfère boire. Et oui. Parce que l'opération. Il y a un monsieur qu'on devait enlever une hernie à Yaoundé, à Biémassi. Le médecin l'a orienté dans sa clinique. Il est parti dans sa clinique. Le médecin qui se disait chirurgien l'a charcuté à telle enseigne qu'il s'est mis à saigner, il a fui. Mais vous parlez de quoi? Il a laissé ouvert comme ça. Combien de malades décèdent sous anesthésie? Combien? Ils sont combien? Tellement nombreux. Ils sont tellement, tellement, tellement nombreux. Mais vous parlez de quoi? On opère, on oublie le sparadrap dans le ventre. Je m'attendais à ce que le ministre convoque le directeur de l'hôpital là. Il le blâme comme un enfant de 6 ans. C'est vrai. Encore qu'on parle d'un hôpital de référence, c'est-à-dire que... C'est un hôpital de référence. Oui, c'est un hôpital de référence. C'est-à-dire qu'en termes de production, il devait être au top produire... Qui le blâme comme un enfant. Être un exemple pour les autres. Hein? Mais de là, avec de tels clichés, c'est déshonorant pour toute la nation tout entière. Pour le ministre lui-même, c'est vrai, il a certes de blâmer quand il est arrivé. Qui ne vienne plus mais... nous dire... que le Cameroun a des hôpitaux de référence. Ouais. Avec des médecins de référence. Parce que là, c'est tout sauf une référence. On poursuit la revue des réseaux sociaux, Pamela. On poursuit la revue des réseaux sociaux. On va du côté de Bonabéry pour parler de ce monsieur en colère qui s'attaque à l'église de sa femme avec une machette. La scène s'est déroulée au quartier Ndobor. C'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le monsieur qui avait toujours interdit à sa femme de fréquenter cette église de réveil. Le monsieur s'est donc déplacé pour aller à mission et à faire savoir à sa femme qu'il reviendra d'ici peu. Et la femme, justement, n'a pas su le programme de son mari. Il faut rappeler que lorsqu'il était en mission, son frère l'a appelé pour lui faire savoir
que sa mère était malade. Le monsieur a donc décidé que sa mère vienne se faire soigner à la maison. De son retour, voilà, il se rend compte que sa mère est abandonnée seule à la maison et sa mère lui fait savoir que sa femme, son épouse, est sortie depuis le matin pour se rendre dans cette église. Le monsieur en colère s'est donc rendu dans cette église pour en découdre avec le pasteur. Mais l'on a posé la question à la jeune dame, celle à savoir choisir entre l'église ou son mariage. Naturellement, elle a choisi qu'elle préfère rester dans cette église. Une réunion de famille est convoquée pour les jours à venir. Mais est-ce qu'il y a les choix qu'on... Non, c'est pas... Non, mais si elle a choisi l'église, il n'y a pas de problème. Son mari rentre à la maison. Vous n'allez pas demander à une femme choisir entre l'église et ton mariage. Je ne comprends pas. Est-ce que la question devrait se poser? Dieu a dit que si tu n'as pas encore réglé le problème de la famille, ne viens pas chez moi. Dieu dit ça dans la Bible. Je vais plus loin. Ne viens pas prier à l'église alors que tes enfants ont faim. Est-ce qu'ils avaient faim? Il y avait même plus. Quelqu'un mourait. Allez-y. Sa mère, sa belle-mère. Quelqu'un mourait. Je déplore une chose, c'est qu'il soit parti sans m'appeler. Tout à fait. Vous deviez faire quoi? Non, il devait m'appeler. Nous aussi, on allait faire quelque chose. Non, il devait l'accompagner. Il devait m'appeler. Est-ce que vos femmes sont à l'église? Je dis, solidarité. Solidarité, ma fille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que mariage et foi, ça ne va pas ensemble? Les deux ne vont pas ensemble? La foi, c'est l'acceptation des choses qu'on espère vraies. Et le Dieu de l'Église a dit, règle d'abord avant d'eux. C'est ça, non? Isabelle Caron. Maintenant, il y a son sauveur qui est venu. Apparemment, il a changé. Laissez les morts enterrer leurs morts. Suivez-moi. Donc, si ma belle-mère meurt, c'est vrai là, non? Vous avez déjà vécu avec quelqu'un qui est dans l'Église? Vous avez déjà vécu? Je ne vous souhaite pas. C'est des personnes à part entière, étranges, qui prennent les autres pour des démons. Pas d'alcool. Pas de, ils ne sait pas, ils, les plats, ils ne mangent pas dans les mêmes plats. Pas de musique. Pas de musique. Pas de bijoux. Pas de journaux télévisés. Ils ont leur cuillère, leurs ustensiles, parce qu'ils ne souhaiteraient pas être contaminés par l'utilisation que vous faites, les hommes profanes. Voilà des gens qui se lèvent. Les mondains. Les mondains. Seigneur, bénis ce plat. Bénis le plat que je veux manger et utiliser. Ce plat doit être sain, comme moi-même, je suis sain. Je vous assure. Maintenant, les rapports à la maison. Oh là là. C'est parce que tu es dans le monde, tu ne peux pas comprendre. Ma soeur. Tu ne peux pas écouter ceci, ma soeur. C'est parce que, tu es dans le monde. Je peux pas. Les maris vivent des problèmes sexuels. Je suis en plein jeûne. Je ne peux pas coucher. Vraiment. C'est vous qui parlez des jeûnes. S'il vous plaît. Un jeûne pendant 20 jours sur moi. Alors, parce qu'on a des problèmes. 20 jours sur un mois. C'est le pasteur qui a demandé. C'est le pasteur qui a demandé. Elle est dans le groupe de prière. Si elle prie pour vos affaires. Attendez, elle prie pour votre vie. Pour votre prospérité. Si dans le groupe de prière, comme ils ont des groupes de prière, on a mis dedans que prier pour la sœur telle, ou la sœur telle a écrit que vraiment prier pour moi, je me sens mal. Excusez-moi, je prends votre téléphone. Eh bien, vous dormez. Eh bien, vraiment, ma sœur, j'ai pris. Vous êtes couché sur les lits. Oui, vraiment, je suis. Je suis dans le combat spirituel. Faites surtout ce que. Madame, vous êtes mariée. Vous êtes avec mais ça veut, dire qu'à ce moment, monsieur devrait accompagner la femme également. Avec pour cette marche-là, le Seigneur. Avec quoi? Reconnaître le salut. Vous avez une malade à la maison. La foi. Vous allez à l'église prier pour cette malade que vous avez laissée à la maison. Elle a laissé avec qui? La dame peut-être vous dira ça. Elle a allée prier pour sa belle-mère. Avec qui? C'est ça la question. Vous savez, il y avait une église à Nicotia qui attirait beaucoup de monde. Un ancien bataille. Ils sont quelque part maintenant à Yassa. Les gars avaient pris la femme d'un monsieur. Le monsieur est venu voir le pasteur que laisse ma femme, laisse ma femme. Le pasteur a dit à la femme que comme Belzébuth vient déjà m'affronter, ça veut dire qu'une nuit, il peut te recouvrir d'un manteau noir, tu ne te lèves plus. Fuis de là. La femme a ramassé tout.
elle dormait à l'église. Le gars est parti chercher les Nangaboko. Il a pris 35 Nangaboko qu'il a payé 10 000. Il a dit, allons faire d'eau. Ils sont entrés là-bas. Le jour d'une nuit de prière, c'était le massacre. Jusqu'à dire au pasteur là, que la femme s'y vient encore ici chez toi. Mais vous savez comment ça détruit les foyers? Des femmes qui divisent les maisons. Vous dites à votre femme que vous avez un mariage. La femme a les longues robes, les longues trucs. Elle s'habille. Mais ma chérie, tu es habillée comment? Tu parles où? Le Seigneur Jésus elle a demandé. Elle doit s'habiller comment? Mais c'est une femme qui se couvre. Dominique Audrey, finalement, les saintes d'écriture participent à unir ou à désunir à la fin. Parce que là, on se perd. Qu'aujourd'hui, on vous dira, les églises aussi sont à l'origine de la plupart des séparations dans les couples, parce qu'on a un homme qui n'aspire pas, qui n'a pas les mêmes aspirations que sa femme, qui n'ont pas les mêmes obédiences religieuses, ou alors la dame du jour au lendemain, et parfois on ne sait même pas comment ça, le déclic, c'est-à-dire du jour au lendemain, elle commence à avoir de nouvelles habitudes, elle va à l'église à 17h, et il y a toujours des veillées de prière, malheureusement ou heureusement, je n'ai rien contre. Elle va au veiller de prière, elle va rentrer le lendemain, à peine elle va s'assoupir, elle vous dira le soir, il y a encore une autre veillée de prière, mon pasteur m'a demandé ci, mon pasteur m'a demandé ça, tellement d'exigences qui créent quelquefois des déséquilibres dans le couple, parce que monsieur a besoin de vous. Quand je dis monsieur, je parle de la famille, des enfants, la maison, monsieur lui-même et tout ça. C'est parce que les femmes ont la peine à bien structurer, ou alors c'est simplement qu'on a affaire à des églises qui n'obéissent pas à certaines normes de la société aussi. Les dérives qu'on rencontre sont le fait de certaines personnes qui se présentent comme des pasteurs. Les pasteurs qu'on suit ou bien qu'on décide de suivre sont les personnes qui agissent sur le mental de certains fidèles, entre guillemets. Ce n'est pas la faute à l'église, ce n'est pas la faute aux saintes écritures, c'est simplement les pasteurs, entre guillemets, qui font le travail, qui a un travail qui a les conséquences qu'on voit aujourd'hui, les conséquences qui sont apparentes aujourd'hui, parce que malheureusement, au lieu de suivre Dieu, les femmes, les fidèles, les hommes se retrouvent à suivre les pasteurs qu'on idéalise. La preuve, c'est lundi, c'est vendredi, on a parlé des gens qui ont décidé de jeûner pour voir Jésus. La semaine dernière. À aucun moment, à aucun endroit, on a demandé aux gens de ne pas manger parce qu'on verrait Jésus. Donc, tant qu'on ne fait pas le distinguo entre le bon et le bonbon pasteur, on va toujours se retrouver à ces dérives-là. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos maisons, les individus passent par des moments difficiles. Les épreuves, les turpitudes, la vie en elle-même tellement difficile, on a des difficultés. On cherche à tout prix à trouver une sorte de répit. Et lorsque vous écoutez quelqu'un qui semble avoir un discours qui va vous apaiser, on s'abandonne corps et âme à la personne et on arrête de raisonner définitivement. Conséquence, on abandonne la maison. Moi, je connais une femme qui avait un enfant qui était malade et qui prenait des médicaments tous les mois, une sorte de sirop. La dame a parlé au pasteur en disant, voilà, j'ai mon enfant malade et tout, il faudrait que tu pries pour l'enfant, machin, voilà les remèdes, je vais acheter, tu vas prier dessus. Il lui a dit, ne lui donne plus ces remèdes parce que ça ne va pas aider l'enfant. Viens me donner, je vais te donner l'huile d'onction. Tu vas mettre dans la boîte et c'est ça que tu vas donner à l'enfant. Le mari donnait l'argent des médicaments, mais la dame n'achetait pas les médicaments. Lui, il voyait la boîte, mais sa femme savait que c'était de l'huile qu'on a mis à l'intérieur à donner à l'enfant. Malheureusement, la maladie de l'enfant a récidivé et l'enfant a fini par décéder. Lorsque le mari s'en rend compte, il a été totalement... Donc, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on arrête de travailler, qu'on ne va pas à l'église, donc, qu'on ne va pas faire un certain nombre de choses. C'est faire le distinguo aujourd'hui qui est le plus gros challenge. Il faut faire la part des choses. Il y a des pasteurs, des prêtres, des imams qu'on suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont un discours en vous disant « Occupez-vous de vos foyers, occupez-vous de vos familles. » Donc, tant qu'on ne fait pas le distinguo, on va toujours faire un melting pot qui va jeter l'opprobre sur l'église. Pourtant, ce sont les hommes qui se présentent comme les pasteurs qui sont en train d'arracher vos femmes dans vos foyers, malheureusement. Les voix du Seigneur sont insondables. C'est cette question, Pamela. Et moi, sur la question, je vais tout simplement dire que les femmes sont les plus vulnérables.
les femmes sont des personnes à qui on s'attaque le plus souvent. Parce que c'est la femme qui va vers le pasteur et pose son problème. Toutes les femmes ont le problème. C'est-à-dire que mariée ou célibataire, une femme a toujours un problème. C'est la femme qui va vers le pasteur. Pasteur, mon mari rentre tard. Pasteur, mon mari ne me rationne pas. Le pasteur n'appelle pas le mari pour demander. Il va plutôt donner les conseils à la femme. Ok, comme ton mari rentre tard, je pense que tu dois commencer à faire une veine de prière. C'est quoi cette église qu'on commence la prière le matin, on finit le lendemain? Vraiment. Tu ne te rassures pas que ton mari a mangé, tes enfants vont bien, mais tu te plains quand même que ton mari se comporte mal parce que le pasteur t'a demandé de prier. Non, ça ne se fait nulle part. À un moment donné, même si le pasteur, c'est pas comme si le pasteur va vous demander que allez tuer vos parents, que tu vas faire parce que c'est le pasteur qui t'a demandé. Non. Entre temps, le pasteur lui se met bien attention, il est toujours bien, il change sa voiture, il fait ses voyages, mais parce que lorsque le pasteur a les problèmes. On cotise, on donne au pasteur, mais quand les fidèles ont les problèmes, on prie pour les fidèles. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que, au-delà de ce que le pasteur nous dit, on doit quand même prendre une décision personnelle. Le pasteur, bon, on dit souvent que les pasteurs ne sont pas mariés, mais ce sont eux qui donnent, les prêtres, ce sont eux qui donnent les conseils aux personnes qui sont mariées. Donc, je pense qu'il y a souvent. Jésus a dit veiller et prier, non? Oui. Ça veut dire qu'on peut veiller. On ne peut pas prier tous les jours. Alors, 24 heures sur 24 heures. Non, moi, j'ai dit, monsieur. La Bible dit qui trouve la femme trouve le bonheur. Oui. Donc toi tu n'as pas trouvé la femme. Donc c'est pas le bonheur. Laisse-la. Faut la laisser, elle a fait son choix. Laisse-la. D'accord. Pamela. Elle reviendra plus tard. On s'arrête là pour la revue. Oui, c'est bon pour la revue. On lit quelques messages en attendant Constantine Lamine qui viendra sur le plateau nous parler de Sorepco, si je me trompe. Message. Alors, j'ai été victime d'un bonbon pasteur de madame. J'ai payé une machette pour aller dire au pasteur. Il a refusé de comprendre ce que je lui ai dit. Et aujourd'hui, mon mariage est terminé avec ma femme. Pour moi, c'est un sérieux problème. Lorsque je rencontre une jeune fille, lorsqu'elle me parle de l'église, je prends ma route. Non, mais c'est bizarre. Donc, vous allez demander aux gens de ne plus... Laisse ma femme. Le combat se mène. Non, ou alors, vous allez dire, ne va plus à l'église, ne fais plus ci, ne fais plus ça, ne prie plus. Ne... C'est difficile quand même. Message. À mon avis, je pense que l'église doit être abolie. Elle contribue à l'endormissement des consciences en détruisant les mœurs et les familles potentielles. Dans tous les cas, moi, je ne fais aucune église. Mon église, c'est la tradition. Si ma femme me prive du sexe pendant 20 jours parce qu'elle jeûne, je pense qu'elle va bien pouvoir m'expliquer cela et devant son pasteur parce que pour moi, ça ne passe pas. Oui, il y en a qui jeûnent pendant... Ça dépend. Vous ne savez pas ce que la dame est en train de demander au ciel. Vous ne savez pas le choix de... Normalement, quand une femme qu'elle a choisi de faire aussi. Vous ne savez pas le choix du jeûne qu'elle a choisi de faire. Les Camerounais sont à la recherche. Les Camerounais adorent les miracles. Il y a un pasteur là-bas, quand il a un mouchoir, il fait comme ça. Vous, il a pris ce texte, ça a marché. Parce qu'il fait ça comme ça. Vous, les gens tombent. Tout le monde dit que le pasteur est bon. Les autres églises se vident pour aller là-bas. Il y a un pasteur, il a reçu l'onction de Dieu. Il souffle comme ça, vous tombez. Mais si les gens baignent dans des problèmes, c'est pas normal aussi qu'ils se retrouvent en train d'affluer là où ils écoutent bien les problèmes. C'est parce que les Camerounais sont paresseux. Un peuple travailleur va faire quoi à l'église? La Suède a fermé combien d'églises? Oui, mais on voit des des gens vont à l'église. Je vais vous amener une vidéo où au Canada on a loué les églises. Je vous amène cette vidéo demain, vous allez voir. On a transformé les églises en lieu de gymnase. Je vous avais montré la vidéo. Salle de sport. Les salles de sport. Les restaurants. On a transformé les églises en restaurants. Mm-hmm. En Europe. Un peuple travailleur n'a pas le temps de l'église. C'est comme vous voyez les gens sur Facebook. Tout ce que vous voyez sur Facebook. Matin, midi, soir. Carlos Minoua fait comme ça. Le soir, Carlos Minoua va dire. Oh, vraiment, j'appelle. Carlos Minoua. Vous pensez qu'il fait quoi dans sa vie? Déjà. Un blogueur. Hein? Mm-hmm.
C'est un métier, bon. C'est un métier. Oui, il est dans l'oisif. C'est un métier, il vient ça, il nourrit sa famille. Oui, il est oisif. Merci, maman. Il est oisif. Comment est-ce qu'ils sont professionnels? Il y en a qui vont vous dire. Oui, avec ses abonnés, ils s'en sortent bien. Oui, c'est un blogueur. Prenons les messages. Alors, à mon avis, c'est la maman de cette fille qui l'utilise pour se sucer les doigts. C'est juste une femme infidèle et cette infidélité hantera son mari jusqu'au divorce. C'est bébé Jacques qui nous envoie le message. Wow. Moi, je pense que la faute, c'est au mari. Il ne fallait pas accepter que la femme vienne avec son enfant parce que c'est évident que les relations continuent entre son ex et elle, étant donné qu'ils ont l'enfant, mais ce n'est pas l'enfant de l'ex, malheureusement. Le téléspectateur s'est trompé. Cette femme doit faire attention. Pour moi, elle entretient toujours une relation avec son ex, contrairement à ce qu'elle laisse croire à son mari. Ils doivent tout simplement se séparer pour laisser la place à une autre qui sera amoureuse. Mais c'est aussi trop facile de parler de séparation. Hein. Des gens qui ont fait 5 ans de mariage, il a quitté sa femme, ils ont des enfants. Non, Mandela n'a pas divorcé. Laurent Gbagbo n'a pas divorcé. Vous parlez de quoi? Sarkozy a divorcé combien de fois? Isabelle Carlo. Vous faites comme si... Isabelle Carlo. Un homme qui dit à sa femme, je veux des enfants. On n'a que deux. J'en veux. La femme qui dit je ne veux pas d'enfant, je ne veux plus accoucher. Et qui part même mettre des barrières. Quelle est l'attitude de cet homme? Il cherche simplement une femme qui va lui faire des enfants. Ou alors elle a des soucis de santé et se dit il faut que je m'arrête là. Mais elle doit s'expliquer si elle a des problèmes de santé. Pourquoi vous voulez prendre le meilleur et donner le pire aux autres? Non. Comment ça? C'est ça cette histoire. Je suis pas vraiment, c'est facile de se séparer, vraiment. Mais cette étape. Ah, mais est-ce qu'à tous les problèmes de couple qu'on va rencontrer, on va se séparer? La solution, c'est séparez-vous. C'est quoi supporter alors dans le mariage? Regardez la subtilité avec laquelle elle a formanté son plan. Une subtilité méphistophélienne. Elle dit pour que le gars ne me voie pas, je fais comment? Non. Je mets l'enfant devant. Rendant complice l'enfant de son adultère. Maman, c'est pas à toi que tout va passer. S'il t'envoie, quand tu es dans la chambre, si ça sonne, tu causes avec lui. Tout ce qu'il te dit, tu écris. Hein. Soit tu m'envoies par WhatsApp. Elle a couché avec son mari. Le WhatsApp tombe, elle dit, c'est ta fille, non? Ah, tu sais qu'aujourd'hui, tu peux aller dans la chambre alors qu'elle vient de passer un message. Quelle est la formation qu'elle donne à cette fille pour son avenir de demain? Non. D'accord. C'est bon avec Consti Lamine, je crois. Les hommes ne pardonnent pas. On va les dire. Les hommes ne pardonnent pas. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Une fois de plus,
bonjour, chers téléspectateurs, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes bel et bien le 2 mai 2023. Alors, je rappelle que la fête du travail se poursuit bel et bien dans les magasins 1001 Tapis. Et nous commençons cette journée commerciale tout en rappelant à tous les téléspectateurs que pour le mois de mai, dans les magasins 1001 Tapis, vous aurez l'occasion de vivre une promotion que vous n'avez jamais connue au concept Salaka. Je dis bien, durant tout le mois de mai, ce sera non seulement les nouveautés, ce sera des arrivages, mais également les prix encore les plus bas. Parce que nous voulons permettre à tous les téléspectateurs de cette émission, nous voulons permettre à tous les téléspectateurs de Kinance Télévision d'avoir des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. Parce que la mission première du concept Salaka est de permettre à sa clientèle d'avoir des produits de qualité à des prix vraiment les plus bas. Oui, ce qui est vendu ailleurs, très cher au concept Salaka, vous l'avez à un prix très très abordable. Il y a même des produits que vous ne retrouverez pas ailleurs, mais que vous avez au concept Salaka. La preuve en est, pour le compte de ce mardi matin, il pleut énormément à Douala et dans certaines villes du Cameroun. Et j'ai pensé à tous les clients de cette émission, j'ai pensé à tous les clients du concept Salaka en leur permettant d'avoir un grand parapluie vendu avec garantie. Il est solide, il est nyanga, il est d'origine. Vous l'avez à 500 francs, ce parapluie dans les magasins 1001 Tapis. Je dis bien, ce parapluie, vous l'avez à 500 francs pour ceux qui vont faire les achats dans les magasins 1001 Tapis. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure, mais en attendant, je vous les communique d'une manière verbale. C'est le 650 28 44 51. 650 28 44 51 ou alors le 91 80 72 85. 91 80 72 85, ce sont ces numéros qui me permettent de passer vos commandes. Je rappelle, parapluie à 500 francs pour ceux des clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 Tapis. Nous ne vendons pas uniquement les parapluies sont réservés aux clients qui vont faire les achats dans les magasins 1001 Tapis. Parlons bien sûr des achats ce matin, nous allons commencer par cet élément. Ça fait plusieurs années que nous vendons les ceintures lombaires. Et si nous sommes tous les jours à Equinox Télévision, si nous sommes à la radio Equinox, c'est parce que les clients sont satisfaits et notre mission est de permettre à ceux qui n'ont pas encore leur ceinture lombaire de l'avoir. Parce que la ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé, ceinture for lomba. En espagnol, on appelle ça godinia lombaire, joue un rôle très important sur notre corps. La ceinture lombaire, tout d'abord, elle permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. Regardez la qualité du spot, regardez la qualité des acteurs. Rien que le spot vous montre l'authenticité et l'originalité de ce que nous vendons. Alors toi qui me regardes en ce moment à la maison, toi qui me regardes dans un bureau, toi qui me regardes à travers ton téléphone portable, tu as des douleurs au niveau du bassin, tu as du mal à bien dormir, tu as du mal à courir, tu as du mal à sauter comme la tisse parce que le bassin ne répond plus très bien. Tu as du mal à satisfaire madame à la maison parce que le bassin a des problèmes. Alors je te recommande de corriger ton bassin en utilisant régulièrement la ceinture lombaire. Porte-la régulièrement. Cette ceinture lombaire te permettra de ne plus avoir des douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire te permettra de ne plus avoir des douleurs chroniques au niveau du dos. La ceinture lombaire du concept Salaka en vente dans les magasins 1001 Tapis joue également un rôle très très préventif. Oui, cette ceinture lombaire est également préventive, elle joue un rôle très préventif, raison pour laquelle je la recommande vivement à tous les téléspectateurs de cette émission. Et ce matin, je vais m'adresser particulièrement à cette dame, à ces messieurs-là qui passent plusieurs heures assis derrière une caisse, qui passent plusieurs heures assis derrière un volant. Alors, s'il vous plaît, vous êtes exposé aux douleurs lombaires parce que les positions assises sont, c'est-à-dire c'est vraiment des risques pour avoir un bassin qui aura des problèmes. Donc pour éviter cela, il est très important de porter régulièrement votre ceinture lombaire. Portez-la régulièrement. N'attendez pas à avoir des douleurs pour chercher la ceinture lombaire. Commencez par éviter. Commencez par prévenir les douleurs lombaires en vous rendant
au concept Salaka pour avoir cette ceinture lombaire. À combien elle coûte? Le prix normal est de 55 000. Mais le prix du concept Salaka est de 45 000 francs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, durant tout le mois de mai, vous l'achèterez à moins de 45 000. Une ceinture lombaire dans le carton avec son guide d'utilisation et tous ses accessoires, vous l'avez à moins de 45 000 francs, la ceinture lombaire au concept Salaka dans les magasins 1001 Tapis. Le second produit est lequel? Ce sont les languettes médicales. Je reviens encore avec ces languettes médicales. Chers téléspectateurs, les travailleurs qui me regardent en ce moment, même ceux qui ne travaillent pas, vous avez le droit au bonheur. Et le bonheur passe également par l'élimination des douleurs à la plante des pieds. Et qu'est-ce qui doit réduire ces douleurs-là? Qu'est-ce qui doit les éliminer? C'est le port régulier des languettes médicales. Regardez la qualité du spot. Vous allez voir que je ne présente pas n'importe quoi. Je ne vends pas n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui ai tourné ce spot. Ce spot a été tourné par les fabricants même de ces languettes médicales aux États-Unis d'Amérique. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de dire « Aïe, j'ai les douleurs à la plante des pieds ». Voici les languettes médicales. Ces languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Ça permet de faciliter la bonne circulation du sang. Les languettes médicales permettent également de redresser la plante des pieds. Donc, Basango Nabanyango, Pesanangonde dit « On s'engale TCC au niveau de la plante des pieds. On s'engale TCC. » Au niveau Nyama bébé, botondez régulièrement languette médicale Yongo. Les voilà, chers téléspectateurs. C'est disponible en deux modèles, le modèle des femmes et le modèle des hommes. Et ça s'adapte selon la pointure. Donc n'hésitez surtout pas, chacun devrait l'avoir. Ces languettes médicales permettent également de prévenir les douleurs de la plante des pieds et surtout de faciliter la bonne circulation du sang. Alors le prix est de combien, chers téléspectateurs? Ça ne coûte pas 15 000, ça ne coûte pas 10 000, ça ne coûte pas 8 000, ça coûte tout simplement 6 000 francs la paire de languettes médicales. Et pour ceux qui vont la commander à l'instant, pendant que je suis en train de communiquer, je vous fais une réduction spéciale de 500 francs. Le prix de cette languette médicale est de 6 000. Mais si vous commandez à l'instant jusqu'à 17 heures, chers téléspectateurs, je vous donne la paire à 5 500 francs, votre paire de languettes médicales. Donc n'hésitez surtout pas, rapprochez-vous des magasins 1001 Tapis, courez dès à présent. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Bonobambengue, à Dibombari, chacun doit avoir sa paire de languettes médicales en vente au concept Salaka pour l'instant. Pour ceux qui vont appeler à 5500 la paire de languettes médicales, nous allons conclure la vente de ce matin par la pommade contre les hémorroïdes. Regardez comment j'ai le sourire quand je parle de cette pommade. Parce que cette pommade, elle fait des merveilles. Cette pommade, oh là 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 là, tout simplement, venez au magasin 1001 Tapis, vous avez la pommade contre les hémorroïdes. Numéro de téléphone 650 28 44 51 91 80 72 85. C'est le numéro qui gagne, c'est le numéro qui vous permet d'acheter les produits de qualité à des prix vraiment dérisoires. Stylamine est là sur le plateau, on va poursuivre avec la lecture des messages avant de passer à interpellation. Alors, Patricia, qui nous envoie le message ce matin, à Bonabéry, il y a trop d'églises de réveil. Un pasteur a volé la femme de mon frère aujourd'hui. C'est vraiment compliqué. Je pense qu'on devrait fermer toutes ces églises. Quand on dit, moi, je comprends. Quand on entendu qu'on a volé. Volé. Bon. Les églises de réveil détruisent énormément des couples. Pourquoi pensez-vous que ce soit uniquement les femmes qui remplissent ces églises? Elles sont tellement légères et ne réfléchissent pas parfois. Comment cette femme peut abandonner sa belle-mère malade toute seule à la maison et dire qu'elle va prier à l'église? Peut-être que la maison a un sort, c'est à la dame de se prononcer. Elle a choisi l'église à son mariage, mais elle ne pratique pas les conseils de la Bible qu'elle prétend lire au quotidien. Que son mari trouve une autre femme et l'épouse. C'est mon avis ce matin. Elle-même, elle a dit qu'elle ne veut plus.
Alors, à mon avis, le ministre devait faire des sorties inattendues dans les hôpitaux pour voir comment les soignants travaillent. Durant mes stages dans les hôpitaux, je voyais de tout et de n'importe quoi. J'étais tellement déçue par la négligence qui se trouve dans les hôpitaux. Il y a une urgence, les soignants sont assis, ne bougent pas. J'ai déjà trop vu, mais rien n'a changé jusqu'ici. J'ai fini mon stage, je suis partie. J'ai eu l'impression d'avoir fait le mauvais choix en thème, j'ai eu l'impression d'avoir fait le mauvais choix sur le plan professionnel. C'est pas une vocation, c'est pas un appel. Pour moi, on devrait fermer ces églises car elles n'ont jamais rien changé dans ce pays, même pas la crise anglophone. C'est l'église qui devait changer la crise anglophone. Il y a église et église. Pour oui, moi, aller à l'église le dimanche seulement de 7h rentrer à 9h, c'est possible vu que nous le faisons depuis toujours. Mais aller à l'église du matin et revenir le lendemain, pour moi, ce n'est plus une église. On parle veiller de prière. Pourquoi les veiller de prière, ça finit le lendemain, non? Veiller de prière, je crois que c'est toutes les c'est... églises sont les mêmes. Forté des églises. Et même chez les catholiques, non, il y a des veillées de prière. Il y a des veillées de prière, bon, Bengam. La messe des malades. Si vous allez, vous allez automatiquement passer la nuit. Il y a des messes aussi qui traînent un peu plus. Voilà. Peut-être des malades, quoi que ce soit. Ça dépend de comment c'est structuré. Du moins, à partir du moment où vous êtes à votre mari, chérie, je ne vais pas passer la nuit à la maison. Je vais à une veillée de prière. Vous dites ou bien vous demandez l'autorisation. Il n'y a pas de quoi faire des masses. Vous demandez l'autorisation. L'essentiel, c'est qu'ils sachent là où on est aussi. Mm-hmm. Message, Pamela. Je pense que cette femme est toujours en relation avec son ex, comme un artiste avec Chanté, qui a bu boira. C'est le cas de cette dame que son mari mène minutieusement ses enquêtes. Il va attraper cette femme. Alors, parfois la prière aide dans la relation. Faisons attention dans les églises que nous intégrons au quotidien. Lorsque le mari n'est pas d'accord, je pense que c'est la dernière personne à décider dans une relation. Pour les pasteurs de ces églises de réveil, lorsque tu vas à l'encontre de ce qu'ils demandent, pour eux, tu es tout simplement un démon et les démons ne marchent pas avec les saints. Et les gens ne savent même pas. Parce qu'ils ont été déifiés. Vous n'allez pas. C'est pas le pasteur que vous allez chercher. Même c'est Dieu que vous allez chercher. D'accord. Même dans la Bible, Donc. Le diable n'a tué que 10 personnes. Dieu a tué plus de 2 millions de personnes. Donc le diable, là même que vous craignez là, et apparemment, lui, il est même bon. Parfois, on a l'impression que ces pasteurs utilisent des charmes ou même des écorces pour hypnotiser leurs fidèles. Ils exagèrent parfois. Donc Job n'avait que 2 enfants. Hein. Comment? Pour ne citer que les morts du diable. Oui, Job avait 10 enfants. Et combien le sont diable morts? Les a tués. Combien? 10. Donc c'est... Dieu a tué à partir de... Moi je crois que ce sont des questions délicates sur lesquelles... Il faut respecter les appartenances. Oui, il faut respecter les appartenances. On a dit quoi? Si le monsieur n'est pas là à l'église, sa femme va à l'église, qu'il laisse sa femme aller à l'église. C'est pour ça, non? C'est aussi la ça, femme c'est de l'autre, Dieu, votre Dieu transformé en terre de ciment. Elle vous dira qu'elle va vous prier également pour. Dieu a tué 2 270 personnes, 365 dans la Bible. Le diable n'a tué que 10. Et vous dites qu'il faut fuir le diable? Et les femmes en celle-là, elles sont revenues à la comme, vie. C'est pas possible. Même Jésus, là, il est venu pour sauver les brebis perdues. Au lieu de sauver les 2 brigands, il sauve un. Vous formulez maintenant des accusations à l'endroit de Jésus. Oui, il faut même le mettre aux arrêts. Qui est donc Jésus? Oui, il faut mettre Jésus aux arrêts. Son église a organisé la vente des esclaves ici. Qui paye la note? C'est lui Jésus ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? Attendez, ce n'est pas le pape qui a organisé ça en 1450. Vous ignorez ça. Et le pape Pie II est venu faire la messe à la cathédrale de Paris. En 1459, dit Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des créatures pré-adamiques dont on peut tuer sans avoir la colère de Dieu. On les appelle les goïnes.
C'est ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a des gens qui ont existé avant Adam et Ève. Là, ce n'est pas le fait de Dieu, c'est le fait des hommes. C'est le papy d'eux. Il est, assis sur le trône de pierre. Oui, c'était de, un homme, ce n'était pas Dieu. On a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais bon, restez dans la forêt, non? Laissez ceux qui sont à l'église. Mais la forêt, c'est quoi? Non, je n'avais pas la forêt, j'ai les pyramides. Restez en brousse. J'ai les pyramides. Ou bien dans les pyramides, ou comme vous voulez, dans les arbres, là-bas. Et maintenant, ceux qui sont à l'église avec Dieu, avec Jésus, Mahomet, tous ceux avec qui on a choisi d'être, on est là-bas. Si on va en enfer, on va se croiser en enfer. Si on va au ciel, on va se croiser au ciel. Bon, je ne sais pas chez vous où vous allez, mais certainement on se verra quelque part. Jean a dit, chacun son tu plan. Connaîtras la vérité t'affranchira. Donc c'est vous êtes obligé de connaître la vérité. On vous a dit, acceptez Jésus. Prenons le message, donc, là, vraiment. Rentrons pendant le jeu de... Ce n'est pas le jeu de quelqu'un dans la matière. Ça fout ta maman de mourir. Parce jamais sur cette question. Tu as une femme à la maison qui abandonne femme et un peu ta maman et tout. Qui va... Non, là il y a problème parce que vraiment, en aucun moment, parce qu'il suit on ne devrait dire à la femme, ou du moins, même le propre Jésus a dit il faut abandonner ta famille pour me suivre. Je crois que ça devrait, on devrait plutôt être dans la sauvegarde de la famille, de ce socle-là aussi. Pas de laisser ou alors délaisser des personnes pour dire ou prétendre qu'on soit en train de suivre l'esprit. Le diable n'est pas méchant, c'est ça qu'il faut reconnaître. Lisez les gens qu'on a tués dans la Bible. Le diable n'a tué que 10. C'est ça. Il faut lire. C'est votre Bible, c'est pas la mienne. Un dernier avant interpellation, un dernier message. La Bible dit aime ton prochain comme toi et pas plus que toi. Tu ne peux pas prétendre connaître la Bible et tu n'aimes pas ton prochain qui est ta belle-mère pour te rendre à l'église. D'accord. Dieu lui-même a dit, j'aime Jacob, je vais détester. Merci, bon Benga. Interpellation à présent, interpellation. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants ne parlent plus leur langue maternelle, juste parce que les parents ont adopté la langue étrangère. Or, de nos jours, ce n'est pas très important. Aujourd'hui, nous devons parler notre langue maternelle aux enfants. Nous devons valoriser notre culture parce que nous sommes des Africains. À qui la faute, Charles Amel, si on observe ce manquement grave aujourd'hui dans des familles ou des enfants qui ne savent pas? Moi, je connais un couple où les enfants parlent la langue de la ménagère. Hein. Bien. Vous avez dit langue correctement, et langue ça a même maternelle. Fait problème dans le couple. C'est la femme. La ménagère qui n'est pas. La ménagère, t'as dit qu'ils ont leur ménagère, et puis elle est pas dans sa langue aux enfants. Les enfants comprennent. Elle vient d'ailleurs. Et les enfants ont fini par. Ils comprennent bien la langue de la ménagère. J'ai pas envie de donner mais ils comprennent bien la langue de la ménagère. Qui est différent de la langue des parents? Qui est différent de la langue des parents, ça je précise. Ça peut être une coïncidence. C'est la femme. Encore une fois? Oui. Comme toujours. Mais pas comme toujours. L'homme connaît l'enfant quand l'enfant a 7 ans. Avec les enfants. Oui, mais le mari n'est pas absent aussi. La femme commence par apprendre la langue de son mari. Oui. Dès les fiançailles. Dès les fiançailles. Enfin, c'est le premier signe d'intégration. Premier signe d'intégration. Après ça, elle enseigne la langue de son mari aux enfants. Pour après enseigner la sienne. Ah oui. C'est la femme. C'est pas l'homme, c'est la femme. Dominique Audrey, des femmes qui seraient les principales responsables de cette catastrophe? Selon Charles Amel, moi je dirais que les deux parents ont la responsabilité d'apprendre la langue. Il a avancé une hypothèse assez pertinente. La femme est la plus proche. Sauf que le père rentre. Tous les jours. On est d'accord. Et quand vous rentrez du travail, vous pouvez dire à votre enfant, prends ma chaussure, va mettre dans la chambre en langue. Vous pouvez dire à votre enfant, va me prendre mon registre, mon cahier dans la chambre en langue. Donc ce n'est pas parce que votre femme n'enseigne pas la langue que vous décidez par analogie de rester tranquille. Comme elle n'apprend pas la langue à l'enfant, moi je reste tranquille. Elle ne le fait pas, emboîtez-lui le pas et faites-lui la remarque et dites-lui, madame,
faites l'effort de temps à autre de parler à l'enfant en langue pour que même lorsqu'on se retrouve avec des étrangers, s'il y a des choses qu'on n'a pas envie que ces gens entendent, comprennent ou bien soient informés, qu'on puisse discuter simplement et calmement. Donc les deux parents ont la responsabilité d'apprendre la langue aux enfants, c'est pas l'exclusivité de la mère. Sur cette question, Pamela Fomène. Si la mère elle-même ne sait pas parler sa langue maternelle, c'est un autre débat. Comment est-ce qu'elle va apprendre aux enfants? C'est un autre débat là encore. Mais là, moi je pense, ça veut dire qu'il y a aussi un... je pense que sur la question, les responsabilités sont partagées. Comment, que ce soit l'homme ou la femme. À force de partager un peu dans un couple, est-ce qu'on finira par avoir atteint les objectifs? À force de dire non, c'est l'homme. L'homme est de son côté, c'est la femme. Non, mais parce qu'on estime que la femme passe plus de temps avec les enfants. L'homme rentre à partir de 17h, 18h, parfois 21h. Les enfants sont déjà endormis. Le matin, très tôt, l'homme reçoit, il revient. C'est la mère qui passe toute la journée avec les enfants. C'est-à-dire que si vous avez même l'enfant de 7 ans à la maison, vous êtes à la cuisine, au lieu de dire à l'enfant en français que prends-moi le plat ou bien allume le feu ou bien je sais pas quoi, c'est le patois, c'est naturel, vas-y fais comme ça. Ça fait que lorsqu'un étranger arrive même à la maison, tu peux facilement dire à l'enfant ferme la porte ou bien ouvre les fenêtres. Mais je sais pas, tu peux quand même dire 2-3 mots, mais il y a des parents, c'est le français matin, midi, soir. Pourtant, il y a d'autres tribus où l'enfant naît. Ça dit que l'enfant, même à 6 mois, 7 mois, 1 an, c'est le patois. Tu le vois même en classe, même à l'école avec les amis. Il s'égare parfois, il commence à parler. Il a l'impression que tu es son frère à la maison. Il y a d'autres enfants qui naissent avec ça carrément. Je préfère ne pas citer les villages comme ça. Mais parce que les parents, dès le berceau. Oui, dès le berceau. Même quand l'enfant est encore dans le ventre, la mère commence à parler vraiment comme tu fais. Elle parle en patois. L'enfant grandit. Elle commence à habituer l'enfant avec le patois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand la mère même parle le patois, l'enfant reprend en français et puis on avance. Ou alors il y en a qui ont honte aussi. Oui, c'est aussi une hypothèse. Oui, 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 on a honte de parler sa langue. Oui, 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 il y en a qui sont encore sous ce prisme-là, qui ont honte de pouvoir parler leur langue. Moi, je remercie la MAFO qui a parlé. Je la remercie. Et il faut aussi dire que pendant les vacances, il y a des initiatives qu'on multiplie pour apprendre aux enfants à parler la langue et tout. Donc les parents, les papas qui sont les avec, vacances, avec, les enfants se reposent, parlez-les à la maison. Non, envoyez-les chez la mère. Les programmes là, c'est une fausse gymnastique. On envoie l'enfant au village. Une fausse gymnastique. On envoie les enfants au village. Tout le monde n'a pas la famille au village. Donc les enfants doivent se reposer à la maison. Même quand on envoie l'enfant au village, rentrer, il faut une suite. T'as dit que ça à la maison. Si l'enfant à la maison ne parle pas sa langue. Il y a des programmes. Si vous avez la possibilité d'envoyer votre enfant apprendre à parler une langue qu'on apprend à Douala, Yaoundé, ou je sais pas où, envoyez votre enfant, puisque aujourd'hui elle est mariée. Donc vous allez envoyer l'enfant. C'est vacances. Il y a les mariages multiculturels où les femmes ne parlent pas les langues de leur mari. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'asseye ici et qu'on donne l'impression. Parce que quand il y a un problème, vous allez à l'école. C'est pour ça que Samuel dit que cette femme-là refuse l'intégration. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est un élément de divorce. Parce qu'il y a un problème, ça se gère à la cour. Parce que vous ne trouvez pas intérêt d'entendre. Quand le mari parle le français, la femme parle le français. Parce que la femme n'a pas intégré le patois de son mari. Mm-hmm. Il se retrouve à la cour, c'est tout le voile. Toute la République est occupée. Mais si vous n'avez pas réglé vos problèmes dans la cour, vous êtes des sauvages. Non, il y a des situations qui peuvent arriver. Parce que vous entendez pas dans la chambre. Et vous commencez à crier comme des c'est quoi? Si la femme avait intégré le village de son mari ou le patois de son mari, c'est que le problème, on gère ça en patois, tout le monde, personne ne se rend compte. On ne règle pas ces problèmes dans la rue. Il faut dire ça aux gens. Mais il faut s'intégrer. On parle comme des personnes civilisées. Il faut s'intégrer. La civilisation commence par l'intégration de la femme dans la famille de son mari. Si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle est sauvage. On est d'accord, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se fait. Ça veut dire que la femme est sauvage. On devrait arriver à une symbiose, c'est-à-dire que si le père, le chef de famille, observe des défaillances, ben, il n'a qu'à accompagner la femme dans ce processus elle-même déjà, ensuite les enfants, je crois que ça va se faire, parce que si lui-même, l'homme est réticent, ou alors lui-même ne sait même pas parler sa langue, voilà. Il finit par parler la langue de la dame, ça pose aussi problème, mais ça apporte des catastrophes également dans des couples, parce que les enfants à la fin s'égarent. Merci à tous et à chacun, on va se retrouver demain, on sera pour la troisième sortie. Merci également à toute l'équipe technique, à demain, 10h.